وما تقدرش تشخر روتام كان كان انا مخنيسه نفتلي انت توحل لي شخزرت انا مشيره لك انا اوفرت ستفا بيان لموستاش ياسمين יש اذا خلون كتوف This meeting is being recorded by the host or a participant. נגיד אוקיי. נגיד אוקיי. Got it? Got it? כן, got it. Donc madame Joffo, je vous rassure, nous allons parler qu'en français. Bonsoir, Madame Joffo. Voilà, on laisse les dernières personnes rentrer. Oui. Quelques personnes sont en attente, ils vont rentrer tout de suite. Ah, mais j'ai pas besoin de lunettes. Yasmine, tu enregistres ? C'est déjà en ligne, Dani. Ah, alors on va dire quelque chose pour pas laisser soi vide. C'est bon, alors, c'est bon. Je prends la parole. D'accord. J'attends donc 20 heures. Ah, il n'est pas encore 20h, d'accord. Voilà. Chers amis, bonsoir. Bonsoir de Jérusalem. Donc, ça prend une dimension un peu plus particulière de vous dire bonsoir de Jérusalem, puisque ce soir, notre thème, c'est effectivement Jérusalem et le Harabaï. Je dis exprès le terme en hébreu, parce qu'effectivement, ce sera le sujet de notre conversation. Alors, nous n'allons pas aborder un sujet politique, parce que ce n'est pas notre propos. Nous allons aborder un sujet, j'allais dire historique, identitaire, religieux aussi, il ne faut pas le nier, et qui est devenu par la force des choses, du fait que l'islam mélange tous les domaines, le politique et le religieux, c'est devenu par la force des choses aussi un sujet politique. Vous n'êtes pas sans savoir la décision supplémentaire qui a été prise au Conseil de sécurité des Nations Unies il y a à peine quelques jours, qui est effectivement nie le lien qui lie le peuple juif au mont du Temple. Et j'emploie le terme mont du Temple exprès. Donc voilà, donc c'est ce sujet que nous allons aborder comme notre dernière conférence de l'année 2021. C'est vraiment l'occasion d'abord très sincère à moi de vous remercier parce qu'il y a des gens que nous voyons, des visages familiers que nous voyons quasiment une à deux fois par semaine tout le temps. C'est l'occasion surtout de remercier notre organisatrice à Paris, Yasmine Mannheim-Cohen, qui, de main de maître depuis bientôt un an et demi, a organisé pour nous près de 120 conférences. C'est notre associé à Jérusalem, Naftali Lévy, présent aussi depuis les premiers jours, avec qui nous passons de très bons moments pour réfléchir. Et c'est aussi l'occasion de vous dire et de vous demander si vous avez des sujets de conférences qui vous intéressent, évidemment liés à Israël, liés au sionisme, liés à l'Alia, liés à l'actualité, de nous les soumettre, nous tâcherons de trouver les meilleurs intervenants pour ce faire. En parlant de meilleurs intervenants, je pense que c'est une surprise pour personne que nous avons décidé aujourd'hui, et c'est une occasion aussi de rendre hommage, j'allais dire, à tous les guides israéliens qui, malheureusement, une fois de plus, sont astreints à rester chez eux, ces ambassadeurs, ces vrais ambassadeurs d'Israël, qui depuis des années font connaître Israël aux juifs et aux non-juifs, qui apportent un message très fort et qui construisent cette relation avec les juifs de diaspora. Ces guides, disais-je, qui vont se retrouver une fois de plus, malheureusement, sans travail du fait des nouvelles restrictions, dues aussi malheureusement à un retour de cette épidémie dont nous n'arrivons pas à nous démettre. Et donc, voilà, donc un de nos amis les plus fidèles est le guide Daniel Cohen, Danny Cohen, qui nous a accompagnés lors de plusieurs séries de conférences sur tout Israël. Nous avons demandé pour vous d'aborder, j'allais dire, tout l'historique lié évidemment aux religieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers les grandes périodes d'invasion. Vous allez voir qu'elles sont nombreuses, qu'a connu Jérusalem, et on arrivera probablement sur la fin, évidemment, à un sujet d'actualité, probablement, d'actualité brûlante, parce que on peut dire que cet endroit, sans trahir quoi que ce soit dans la conférence de notre conférencier, est un peu le centre du monde, et que le jour où on réglera les problématiques autour du monde du temps, peut-être que le Messie sera arrivé. Voilà, sur cette optimisme, je vous demande de bien vouloir envoyer vos questions sur le chat, soit pendant la conférence, soit à la fin. Je sais qu'elles seront nombreuses parce que c'est un sujet
délicat, bien que nous allons l'aborder aussi avant tout sur une dimension historique, mais c'est important de remettre les choses en place. Et je remercie encore une fois Danny Cohen d'avoir accepté d'être notre conférencier ce soir. Toda Rabba, le RF Talk. Danny, la parole est à toi. Alors, bonsoir à tous. D'abord, une petite vérification. Est-ce que vous voyez ma khbar là? Tout à fait. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à Jérusalem, qui est aussi appelée le Quds, qui veut dire la Sainte, en arabe. Alors, pour vous donner, pour vous éclaircir, et pourquoi je veux vous éclaircir? Parce que je m'aperçois que les gens ne connaissent pas vraiment ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées. Moi, je maîtrise parfaitement, puisque j'y suis pratiquement tous les jours, de midi et demi à 14h. Alors, on va faire un petit récapitulatif afin de vous expliquer. En fait, je vois Yasmine et Naftali, hein, donc j'imagine que d'autres personnes me voient, n'est-ce pas? Alors, dans un premier temps, l'esplanade des mosquées, c'est ce trapèze. Vous le voyez là avec ma akhba? Comment on dit akhba en français? Oui, la souris, c'est parfait. Oui. Vous voyez là, tout ça, c'est l'esplanade du temple parce qu'elle a été faite pour le temple. Et aujourd'hui, on l'appelle l'esplanade des mosquées parce qu'il y a le dôme du rocher, en arabe Kubat al-Saha, et ici, la mosquée est l'Aqsa, et l'Aqsa qui veut dire extrémité. On est d'accord? Pour ceux qui parlent l'hébreu. Nous avons un autre point de vue sur cette esplanade des mosquées qui fait 144 hectares, 500 mètres sur 300 mètres. Et là, on voit très bien que ça, sur cette esplanade des mosquées, on a le dôme du rocher, et là, on a, bien entendu, la mosquée El-Aqsa El-Mubarak. Ces deux mosquées qui se trouvent sur l'esplanade du temple, et c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui l'esplanade des mosquées, puisqu'il n'y a plus de temple, messieurs, dames. Alors, d'où vient cette esplanade? Cette esplanade, c'est une construction romaine où le roi Hérode avait construit le troisième temple. Et quand je vous dis le troisième temple, c'est le troisième temple. Alors, regardez bien, de haut, ça donne ça. Mais si on regarde cette esplanade, eh ben, de l'ouest, ça donne ça. Regardez bien. Donc, vous avez ici cette fameuse esplanade des mosquées, ce trapèze, avec l'esplanade, le temple qui était là et qui était constitué de quatre murs, c'est-à-dire le mur nord, est, ouest et sud. Les quatre murs existent encore. Le mur de lamentation, c'est ce petit mur-là. Donc, on voit bien que les quatre murs, c'est ceux qui soutiennent cette esplanade qu'on appelle l'esplanade des mosquées. Si je vais très vite, si je vais trop vite, vous me ralentissez, n'est-ce pas? Regardez bien cette esplanade qui était donc l'esplanade du temple. On appelle ça aujourd'hui l'esplanade des mosquées. À chaque fois que vous entendez des émeutes à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées, c'est ici, messieurs, dames. D'accord? Ça fait à peu près 20 terrains de football. C'est une table, vous voyez bien, c'est une table qui est tenue par 4 pieds. Mais au lieu que ce soit 4 pieds, c'est 4 murs. Ce mur-là, ce mur-là, ce mur-là et ce mur-là. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne font pas la différence entre l'esplanade du temple ou l'esplanade des mosquées. Mais à la base, il s'agit de l'esplanade du temple, puisque c'est le roi Hérode qui va faire cette esplanade pour pouvoir mettre ce temple-là que vous voyez. Maintenant, cette table-là, elle est tenue sur le rocher qui se trouve là, en dessous. Mais là, il y a du vide. Et là, il y a du vide. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Hérode? Il va simplement mettre ses quatre murs de soutien, dont le mur ouest, qui fait 500 mètres, et que vous connaissez que le mur des Lamentations, qui fait 57 mètres. C'est clair? Donc, à la base, on devrait dire l'esplanade du temple. Mais comme le temple a été détruit en 70, eh bien, il n'y a plus de partie supérieure. Il ne reste que les quatre murs de fondation jusqu'à cette ligne-là que vous voyez. Il y avait quatre entrées du côté ouest. Et ces quatre murs restent et existent encore aujourd'hui. Et sur leur tête, il y a l'esplanade des mosquées. Alors, ma première question que je veux vous poser à vous, et en fait, je veux parler à Avi,
ou à Yasmine ou à Naftali, puisque vous, je ne vous vois pas, et c'est un grand regret. La première question que je passe à tous mes touristes, alors que ce soit des paroisses, des séminaires de curés, de prêtres, de pasteurs, de imams ou musulmans d'autres confessions que les chiites, je pose toujours la première question, c'est « Messieurs, dames, pourquoi Jérusalem est une ville sainte ?» Bien sûr, je pense que vous le savez. Alors, pour comprendre la sainteté de Jérusalem, il faut tout de suite s'adhérer, comprendre et ouvrir la Torah. La Jérusalem est une ville qui a un rapport qu'avec la Torah. Alors, pour comprendre la sainteté de Jérusalem, on va venir sur cette photo et on va comprendre que Jérusalem est une ville sainte parce que Abraham a fait la tentative de sacrifice de son fils Isaac exactement, messieurs, dames, sous cette mosquée. Parce que sous cette mosquée qui s'appelle le Dôme du Rocher, donc c'est une appellation... Je peux me permettre de t'interrompre juste, Dani. Pourquoi tu emploies le terme mosquée est-ce que le Dôme du Roc n'est pas un lieu de prière? Je m'excuse de... Oui, parce que si je dis que c'est un mausoléum qui est dédié aux méditations, ça va amener une tollée de questions et en une heure, on ne peut pas se permettre. Ce n'est pas une mosquée, c'est vrai, Abby. C'est un mausoléum. Et pourquoi on sait que ce n'est pas une mosquée? Puisqu'on ne voit pas de manaret. C'est un endroit qui est un mausoléum et qui est destiné à la méditation des femmes. Et en arabe, et c'est très intéressant, il s'appelle Kubat al-Saha, qui veut dire le dôme du rocher. Donc, de quel rocher on parle? On parle du rocher où Abraham a tenté de sacrifier son fils Isaac. Et ça se passe, messieurs, dames, sur cette roche qui est recouverte aujourd'hui de la mosquée. Mais moi, comme j'ai l'habitude d'aller prier, et je rentre facilement à la mosquée, au Dôme du Rocher, je vous ai pris des photos. Et ça donne ça, quand vous rentrez dans ce mausolée, dans cette mosquée en or, mais vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas musulman. Voilà donc. Voilà donc le rocher du Mont Moria où Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils sur le pays de Moria. Et voici donc le pays de Moria. Voilà donc la raison pour laquelle Jérusalem est une ville sainte. Et quand Abraham va monter son fils sur cette colline qui fait 730 mètres, un mercredi matin à 7 heures du matin, il va monter, il va attacher son fils, il va sortir son couteau, ou plus communément appelé la mangeuse, et il va vouloir égorger son fils puisque Dieu lui a demandé. Et quand il va lever la main sur le gosse, sur cette roche qui s'appelle le Mont Moria, Dieu lui dira, n'envoie pas ta main sur le gosse. Par l'intermédiaire d'un ange qui s'appelle Gabriel, qu'on va retrouver dans le christianisme et dans l'islam, et lui dira, maintenant que tu m'as fait la plus grande preuve d'amour, laisse ton fils, il va trouver à côté de lui un petit bélier qu'il va sacrifier. Et là, Dieu, par l'intermédiaire de Gabriel, va demander et dire à Abraham, et notez-le bien si vous avez un stylo à côté de vous, messieurs, dames, sur cet endroit, tu me feras la maison de Dieu sur terre, messieurs, dames. Ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Sarcelles, ce n'est pas à New York, ce n'est pas à Bagdad et ce n'est pas à Bashiktash. Dieu existe, Dieu, il est là et il a demandé que sa place préférée soit Jérusalem. Et c'est pour ça que Jérusalem, c'est le cœur des conflits de toute l'humanité, messieurs, dames. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des guerres, des conquêtes, des jalousies, qu'on va vouloir changer le nom, qu'on va vouloir la faire disparaître. Parce qu'il y a un groupe de personnes qu'on appelle les Hébreux, les Judéens, qui ne vont pas lâcher leur amour, leur passion, puisque Dieu a dit « Ma présence sur terre sera ici ». Et il leur ajoutera, messieurs, dames, « Tu me feras ici un temple pour toutes les nations ». Et c'est là que va commencer.
Je voulais juste me permettre de t'interrompre. Si je ne me trompe pas, j'ai l'impression aussi que, j'allais dire, notre conflit politico-religieux, historico-politique avec les musulmans commence aussi à travers cette histoire. Et si j'ai corrige-moi si je me trompe. Ah, mais pour l'islam, tu as tout à fait raison. Mais pour l'islam, ce n'est pas Israël qui a été sacrifié, mais Ishmaël. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ishmaël n'a jamais été sacrifié. Ishmaël a créé un premier sanctuaire avec son père Abraham à la Mecque. D'accord ? D'accord. Et tout ce que tu veux dire à vie, on va tout de suite y arriver. C'est pour ça que j'ai travaillé longuement pendant des soirées entières avec Yasmine pour essayer de faire ça très clair, parce que c'est très compliqué, messieurs, dames. Alors donc là, on va inventer Dieu, on va créer Dieu, on va inventer les lois, et Dieu va nous dire, c'est ici que je veux ma place sur terre. Et comme il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu, il n'est pas juif, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, même si dans l'islam, Allah est musulman. Dieu, il a dit ma place sur terre. Et c'est pour ça qu'on est passionné, c'est pour ça qu'on est attiré, c'est pour ça qu'on rêve, qu'on chante, qu'on fantasme Jérusalem. C'est tout va commencer par cette phrase très simple de Dieu qui dira dans le livre de Bereshit, ma présence sur terre sera là. Essayez de comprendre que c'est un élément hyper structural dans l'histoire de l'humanité. Parce que non seulement Dieu est présent ici, mais Dieu, il est sine qua non de loi. Alors, il va dire, très bien, tu m'as fait cette promesse, tu as voulu sacrifier ton gosse, tu iras, toi et ta descendance, je ferai de toi un grand peuple, une grande nation, mais attention, Abraham, attention, Yitzhak et Yaakov, je vous donnerai cette terre, mais avant de vous donner cette terre, je vous enverrai vous former en tant que peuple, en tant que nation dans le désert. Et une fois que vous allez sortir du désert, eh bien, messieurs, dames, je vous donnerai cette terre qu'à une seule condition. Et c'est ce qui va faire de nous un peuple bizarre, un peuple particulier, un peuple qui est différent, un peuple de juifs, parce que news, Jews, c'est new, Jews is news. Et là, on va rentrer, la seule condition qu'on a le droit de rentrer en terre d'Israël, c'est que Dieu nous dit, vous allez rentrer, vous allez avoir des lois, vous n'allez pas vous comporter comme les autres peuples et faire ce que vous voulez, tuer, violer, assassiner. Non, vous aurez des lois. Alors on va souffrir d'une part, mais se former en tant que peuple et en tant que nation en Égypte, et au bout de 400 ans d'Égypte, un homme sympa nous fera sortir d'Égypte, et cet homme s'appelle Moïse. Et je vais aller un peu plus vite parce que il est déjà... Non, c'est bon, on est dans les temps. Est-ce que je parle assez lentement, ça, tout le monde me comprend? Yasmine, super. Alors maintenant, écoutez-moi bien, messieurs, dames. Je ne sais pas qui est en face de moi, c'est assez frustrant. Mais comme je vois Avi et Naftali et Yasmine, je suis heureux. On va donc sortir d'Égypte. C'est à peu près l'époque de fer. C'est 1250 avant Jésus-Christ. Et là, on sort d'Égypte. Et au bout de 50 jours, on va sortir d'Égypte. Et là, on va recevoir les lois, le mode d'emploi pour entrer sur cette terre. Parce que Dieu nous a dit, vous n'allez pas entrer sur cette terre pour faire ce que vous voulez. Et donc, au bout de 50 jours, on rentre, on prend la Torah, le mode d'emploi, les lois, et on va attendre 40 ans dans le désert. Et est-ce que vous savez, messieurs, dames, comment on dit 50 jours en grec? Et oui, vous le savez tous, bravo. 50 jours en grec, messieurs, dames, c'est Pentecôte, qu'on va retrouver dans le christianisme. Alors, on va rentrer en Israël, et maintenant, on va traverser le désert du Sinaï, on va remonter par la Jordanie et on va rentrer et on va conquérir Jéricho et on va rentrer avec l'Arche de l'Alliance. Vous regardez cette Arche de l'Alliance, ça vous dit sûrement quelque chose avec Indiana Jones que j'ai connu personnellement, c'est un vrai personnage, il s'appelle en fait Wendell Jones et quand vous viendrez avec moi à Qumran, pour raconter l'histoire des parchemins de la mer morte, je vous raconterai, mais ce n'est pas le sujet de notre conférence ce soir. Et voici donc les lois qu'on a reçues de Dieu. Et maintenant, on peut rentrer en terre d'Israël. On rentre en terre d'Israël, on dépose l'Arche de l'Alliance, elle sera positionnée
250 ans à Ramallah, au nord de Ramallah, okay, qui s'appelait à l'époque Bethel ou Bethile. Et c'est qu'au bout de 250 ans, le peuple demande à Dieu d'être uni sous un seul roi. Alors on a un premier roi et on en aura un deuxième, on a un troisième roi qui va avoir l'intelligence de prendre cette arche de l'Alliance et de l'amener à Jérusalem parce qu'il se rappelle du sacrifice de Isaac. C'est la raison pour laquelle le roi David prend l'arche de l'Alliance qui était à Shiloh, au nord de Ramallah, et il va l'amener à Jérusalem parce qu'il y a le mont Moria. Il est conscient de ça, le roi David. Donc, on amène l'arche de l'Alliance. Le roi David apparaît vers 1000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, on va faire un temple. Et là, on va être un peuple de loi. On ne fait pas ce qu'on veut, messieurs, dames. On doit faire des bains. On doit étudier, on doit faire des sacrifices, on doit venir trois fois par an, on attend le Messie. On est un peuple un peu particulier et on a un temple qui est magnifique, qui est construit, messieurs, dames, le premier temple sous le dôme du rocher. D'accord? Kubatasaha. C'est très important de le comprendre. Donc là, le premier temple est construit. Le mont Moria, vous le voyez, je ne sais pas si c'est votre première fois. Mais si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez aucune chance de rentrer dans cet endroit. Où moi, j'y vais souvent, il suffit simplement de raconter à l'entrée aux gens du Waqf le Sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha qui est la principale prière de l'islam, les Avdil du Shema Israël. Donc, on arrive, on construit le premier temple ici par Salomon et il est détruit par Nabucodonosor en 586 et il sera reconstruit à l'époque perse par Zoro. Ensuite, après Zoro, il y aura les Grecs. Les Grecs vont endommager le deuxième temple et on va se battre contre eux et on va réinaugurer le temple. Ça sera donc Hanouka. Et je vais aller un peu plus vite, s'il vous plaît. Et puis, on le réinaugure, ce deuxième temple, et tout va bien. Et ce sont les Grecs qui sont là. Et vers moins 63, les frères Cohen, et oui, Cohen, comme moi, Yohan Orkanos et Aristobulos, ces deux frères qui se bagarrent pour être le Cohen. Un, il fait appel aux Romains, l'autre, il fait appel aux Perses. Et c'est les Romains qui gagnent. Les Romains débarquent en Israël. Et là, je vais parler plus doucement, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs, dames. Pompéi vient à Jérusalem, il s'empresse avec ses armées d'aller prendre les vestiges du temple. Sauf que quand il rentre dans le Saint de Saints, où il y avait l'Arche de l'Alliance, il ne trouve rien. Et il dit, c'est un peuple de fous. Ils se reposent Shabbat, ils ont une mer salée, et ils ont un temple vide. Il dépose ici, après lui, des descendants, et puis on arrive en moins 20, et là, ils vont mettre, comme on est un peuple un peu bizarre, ils vont mettre un roi qui s'appelle Hérode, qui est juif, et Hérode vient voir un malheureux temple sur cette pierre, et il décide de faire un méga-temple, et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, attendez, voilà. Alors, regardez bien, lui, il va construire ces quatre murs qui vont supporter cette table et il va mettre un méga-temple de 15 étages qui sera toujours vide, il y aura juste la menorah et là, tout va bien. Sauf que quand Hérode, il va mourir, nous, on vient bien sûr trois fois par an, mais quand je vous dis nous, c'est aussi les juifs chrétiens de l'époque. Il y a une grosse majorité des juifs de l'époque du temple sont chrétiens. D'ailleurs, ça vous paraît bizarre, un juif chrétien, je pense. Eh bien non, la chose la plus logique, c'est d'être un juif chrétien. Parce que le mot Christ, messieurs, dames, veut dire Mashiach. Nous, on attend le Mashiach. Et il y a un Mashiach pour Saint-Air-Juif qui va s'appeler Jésus, Yahushua. Donc ce temple-là, une fois qu'il est construit, il tiendra à peu près 100 ans.
et il va être détruit par ces mêmes Romains. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre des procurateurs qui vont amener des femmes, qui vont allumer, mettre des statues, manger du cochon, ça va nous déplaire. Ils vont le détruire et ce temple, qui était en fait le Saint des Saints que vous voyez ici avec les deux colonnes à l'entrée, Boaz et Yachin, sera complètement détruit. Mais ayez un regard sur ce temple, et ça on a des données très justes par le Talmud, on n'est rentré qu'une fois par an ici, et tout ça sur ce rocher qui est là, ce rocher que je vous ai montré. Donc là, le temple est complètement détruit, messieurs, dames, et on part en diaspora en l'an 70, et on partira aussi plus encore en 132, parce que les Romains, eux, ils vont mettre un temple de Jupiter et ça va nous offusquer et vont nous demander de disparaître à jamais de Jérusalem. On n'aura plus le droit, messieurs, dames, de revenir à Jérusalem de 135 jusqu'à la première alliance en 1885. Mais je vous rassure à tous, il y a toujours une présence juive. Maintenant, regardez bien, même le sanctuaire de Jupiter, il est construit sur le mont Moria. Vous voyez, donc, le premier temple sur le mont Moria, le deuxième temple sur le mont Moria, et Jupiter des Romains est aussi construit. Il faut comprendre que on va amener cet élément de monothéisme, on va amener cet élément de loi, et c'est très important. Imaginez-vous à l'époque, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de monothéisme, c'est du polythéisme, tout le monde tue tout le monde viole tout le monde. Le roi, il décide, les empereurs, ils décident, les sultans, les califes, les pharaons. Alors, vous comprenez pourquoi nous, le peuple juif, on va être persécutés, parce qu'on va toujours rappeler à l'humanité, messieurs, dames, ce n'est pas des lois humaines qu'il vous faut, c'est des lois divines qu'on a amenées. Imaginez-vous un sultan, imaginez-vous un calife, mais lui, ce calife ou ce sultan, il faisait ses lois, lui. Imaginez-vous le roi Soleil en France, au 15e ou 16e siècle, eh ben, il rentrait dans un village et il faisait ce qu'il voulait puisqu'il avait ses lois lui-même. Et je vous rappelle à tous que ce que haïssait le plus Hitler, ce n'est pas les Juifs, c'est les 10 commandements, messieurs, dames. Parce que ça lui rappelle que ce n'est pas lui juif, ce n'est pas lui Dieu. Alors, imaginez-vous la tête des califes et des sultans et des pharaons. On a toujours amené ces lois. Et messieurs, dames, elles étaient là. D'accord? Alors, donc là, en 135, on part à jamais. Et on reviendra à Jérusalem, en Israël. À Jérusalem qu'en 1967. Presque 2000 ans après. C'est une histoire révolutionnaire. C'est une révolution nationale qui n'a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité, messieurs, dames. Et on va se balader de Mésopotamie jusqu'en Israël, on repartira en Égypte, on reviendra en Israël, on repartira dans le monde et on reviendra à Jérusalem. Mais ma question à vous, messieurs, dames, vous qui m'occupez, m'écoutez de France, pourquoi on a quand même tenu la rue? On nous a détruit le temple en 70, on nous a massacrés, on nous a expulsés, on va partir dans tout l'Empire romain. De Rome jusqu'à Antioche, jusqu'à Constantinople, jusqu'à Médine, Alexandrie. Pourquoi on est encore là? Mais c'est une question où je n'ai pas de réponse, messieurs, dames. On a tenu 2000 ans et on est toujours là, atterré, aimanté, collé à Jérusalem. Et puis d'ailleurs, depuis qu'on est revenu en Israël, depuis qu'on est redevenu à Jérusalem, c'est bien d'être juif. Avant, ce n'était pas bien d'être juif. Aujourd'hui, on parle de Jérusalem, du high-tech, de l'agriculture, des spectacles, des concerts, du Covid, de Netanyahou, de Bennett. Mais il y a 70 ans, ce n'était pas bien d'être juif. Et bien, depuis qu'on est revenu sur cette géographie qui est là, messieurs, dames, on revient, on se réépanouit. D'accord? Et juste une petite parenthèse, Churchill disait dans les années 30, depuis que les démocraties ont été inventées, des milliers de lois
ont été faites, mais aucune n'améliore les 10 commandements, messieurs, dames. Alors, on va continuer notre balade dans l'histoire. On est en 135, Adrien fait un temple de Jupiter. Et la vie, elle continue. Et nous, nous ne sommes plus à Jérusalem. L'Empire romain devient maintenant juif, chrétien. On va les appeler les pagano-chrétiens. Les soldats romains vont commencer à croire au Messie à cette époque, plus au IIIe siècle. Mais sauf qu'ils n'arrivent pas à faire les 613 mitzvot. Alors, ils ont deux personnes qui vont leur dire « c'est plus la peine de faire les mitzvot, Saint Paul et Saint Pierre, Shimon et Shaoul. » Et ils vont leur dire « si vous voulez croire au Messie des Juifs, eh bien, c'est plus la peine de faire 613 mitzvot, il faut en faire qu'une seule. Et cette mitzvah, c'est le mikvé. Ok ? Et Yasmine, comment on dit mikvé en grec, toi qui parles le grec couramment ? Tu ne sais pas. Naftali ? Quelqu'un parle le grec parmi vous ? À toi quelque chose ? Non. Non, tout simplement, monsieur Dan, mikvé en grec, c'est baptême. Alors là, tous les soldats romains, ils se disent quoi ? Je vais aller au paradis en croyant au Mashiach des Juifs, parce que le Mashiach pour certains Juifs, c'est Jésus. D'ailleurs, je vous ai dit, comment on dit Mashiach en grec, vous qui parlez le grec couramment ? Yasmine ? Christos. Avi, tu ne parles pas le grec ? Non. Naftali ? Christos. Comment ? Christos. J'entends pas. Christos. Bravo. Bravo, Naftali. Christ. Le Mashiach, c'est Christ. Et donc, les soldats romains, on ne les appelle plus les Romains maintenant. On les appelle les chrétiens. Christos. D'accord ? Alors, l'Empire maintenant devient chrétien. On appellera ça aussi byzantin parce qu'ils passent leur capitale à Byzance. Mais les chrétiens ne vont rien construire sur le temple. Ils ne construiront rien jusqu'à l'arrivée de l'islam. Et là, l'islam va arriver maintenant en 638. Et là, les choses vont se compliquer. Et donc, les musulmans arrivent ici en avril 638. Ils sont dirigés par Omer ibn al-Khattab, qui va conquérir, il monte de la Saoudie, et il monte à Jérusalem. Omer ibn al-Khattab est un ami du prophète Muhammad et il débarque à Jérusalem en avril 638 et il va faire deux choses très intéressantes. L'islam vient juste de naître. Donc, l'islam, il est encore dans ses ritoulim. Comment on dit, Avi ? À ses débuts, tout simplement. R ? À ses débuts. L'islam, il est tout de suite dans ses débuts. Il n'est pas encore formé l'islam, c'est tout nouveau. Omar ibn al-Khattab est un successeur du prophète et il conquérit Jérusalem pour plusieurs raisons, bien sûr économiques, terrain à agriculture, et il arrive à Jérusalem en 638. Entre-temps, les chrétiens romains ont construit ici sur le temple d'Aphrodite l'église du Saint-Sépulcre, l'endroit où les Romains crucifiaient les Juifs, dont Jésus. Et là, il vient à Jérusalem et il va dans l'église du Saint-Sépulcre accompagné de son conseiller principal qui était Ka'ab el-Ahbar, Ka'ab qui vient de Yaakov, c'est un juif, il y a beaucoup de juifs à Médine et à Mecque. Et il va prendre le patriarche de Jérusalem qui s'appelle Sophron et lui dit « Dis-moi, c'est où qui était le temple des Juifs ?» Parce que l'islam, dans ses débuts, il est basé sur le judaïsme aussi. Alors, Sophron, il le prend de l'église du Saint-Sépulcre et il l'amène là. Et là, quand Omar ibn al-Khattab, il arrive à Jérusalem, il voit que le temple est détruit. Le temple est complètement détruit. Mais il voit quand même qu'il y a une pierre. Et c'est cette pierre que Ka'ab lui dit, voilà, le mont Moria. Et là, automatiquement, Omar va construire un mausoléum dédié à Suleyman et à Daoud.
Suleiman et Daoud, Avi, comment tu traduis ça en français? Salomon et David. Voilà. Et la première mausoléum qui va être fait là-bas en 638, il y a des témoignages comme quoi, bien entendu, il y avait des noms de Suleiman et de Daoud, mais qu'il y avait des dessins de menorah dans la première mosquée qui était faite de bois. Et en 691, il va venir un autre calife qui s'appelle Abdelmalik. Abdelmalik, qui lui va construire, messieurs, dames, ce que vous connaissez. Voilà. Elle était grise à l'époque. Elle va être grise jusqu'en 1962-63. Et après, elle sera en or et elle sera retapée en 93. Maintenant, écoutez-moi bien. Abdelmalik ibn Marwan construit cette mosquée parce qu'en fait, lui, c'est un khalif très impressionnant, très fort. Et lui, il voit que, l'église du Saint-Sépulcre, il y a un beau dôme comme ça. Mais il voit aussi que à Constantinople, qui deviendra plus tard Istanbul, il y a aussi une belle église comme ça qu'on appelle Hagia Sophia. Et lui, il dit, moi, je viens à Jérusalem et je vais la faire plus belle et plus grande que vous. Parce que le début de l'islam, il est encore dans ses ritoulim. Et ils ne savent pas encore comment. Alors, il va se passer une chose intéressante. Quand l'islam va de plus en plus s'éloigner du judaïsme, il va falloir trouver une solution pour expliquer comment se fait-il qu'il y a trois endroits saints pour l'islam. Il y a Mekka, Medina et Al-Quds. Al-Quds, ça veut dire quoi, Avi? La Sainte. Bravo, c'est pas du tout Jérusalem. Le mot Jérusalem n'apparaît pas une seule fois dans l'Ancien Testament. Il apparaît 300 fois dans le Nouveau Testament et bien sûr 600 fois dans la Torah. Maintenant, regardez bien. Cette mosquée qu'il fait ici, il va lui donner une légitimation. Et comment on va donner une légitimation? Parce qu'il y a déjà un premier lieu saint, c'est Mekka et ensuite Medina. Pourquoi il faut trois endroits? Eh bien, on va dire que le prophète va faire ce qu'on appelle le Ma'araj, qui en français se traduit par le mot mirage, où le prophète va venir rencontrer les prophètes Moïse, Abraham, David, Jésus, Marie, et va recevoir les cinq prières quotidiennes de l'islam. Et donc, c'est qu'à posteriori qu'on donne une nomination à cet endroit saint. Alors donc, elle est construite. Ce mirage, c'est un voyage nocturne, un peu irréel, c'est ça? Alors, très bien, mais on va tout de suite arriver à ces voyages nocturnes, puisque là, c'est quand il va monter et recevoir les cinq prières quotidiennes de l'islam. Mais là, il va se passer quelque chose de très intéressant entre la construction de cette mosquée en 691 et la construction de la deuxième mosquée, que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, ça va… Ah bah oui, on a maintenant un super image, là, regardez bien. Parce qu'il y a quand même deux mosquées, il y a celle-là et l'Aqsa. Et il y a le mausoléum, pourquoi il y a deux mosquées? Pour le troisième lieu de l'islam. Mais pas parce que tout simplement, cette mosquée, elle est construite en 691 et celle-ci en 703-705. Mais entre cette mosquée et cette mosquée, il va se passer une grande cassure dans l'islam. Et ça va être l'apparition du Shia, des chiites. Et en 698, un chiite va prendre la Mecque et les sunnites ne pourront plus arriver à la Mecque. Et il leur faut vite une alternative, puisque ça, c'est un mausoléum au début. Donc, on ne peut pas dire aux musulmans de venir ici. Ils savent très bien que c'est un mausoléum qui rappelle Salomon et David et qui rappelle la montée du prophète au ciel. Mais je ne peux pas dire aux pèlerins musulmans sunnites de venir dans un endroit qui est un mausoléum. Alors, la Mecque a été prise par Abdallah ibn Zubayr, qui va prendre la Mecque. Donc, les sunnites ne pourront plus arriver à la Mecque. Et les califes qui sont ici,
comme Abdelmalek, ils ont peur que les sunnites deviennent chiites. Et puis, surtout, la majorité des musulmans chiites se trouvent dans le nord, c'est-à-dire dans notre région. Ils sont à Bagdad, ils sont à Damas, et donc c'est plus facile pour venir ici. Et c'est là que, comme il a pu accès à la Mecque, il va construire la mosquée qu'on appellera aujourd'hui le troisième lieu saint de l'islam, qui s'appelle El-Aqsa. Mais pour pouvoir construire cette mosquée, il faut une légitimation religieuse de dire aux gens, n'allez plus à la Mecque, parce qu'entre parenthèses, elle a été prise par les chiites, venez à Jérusalem. Alors on va trouver dans le Coran une sourate qui s'appelle la sourate 17, dans laquelle on décrit un voyage nocturne, bravo à vie, dans lequel le prophète va voler de la mosquée principale à la mosquée de l'extrémité, mais aucunement mentifié qu'il s'agit de Jérusalem. Alors en arabe, pour ceux qui parlent l'arabe chez vous, « Min misjad el-haram, ella il-misjad el-aqsa ». Alors on pense que c'est un « el-haram » c'est à la Mecque, et on pense qu'il y a une mosquée qui s'appelle el-aqsa dans une ville qui s'appelle Jaharana. Mais on l'appelle el-aqsa, et el-aqsa veut dire l'extrémité. Alors vite, on va s'empresser de construire une mosquée en 705 qui correspond à la sourate 17, et c'est pour ça qu'elle va devenir le troisième lieu de l'islam. Et c'est pour ça qu'elle est importante. Et qu'est-ce qui va se passer 10 ans après? Le chiite va se faire battre à la Mecque et les musulmans ne reviendront plus à Jérusalem, messieurs, dames. Alors donc, l'islam, il fait son chemin. On arrive maintenant en 1099. Il y a bien sûr ces deux mosquées. Et là, c'est l'arrivée des croisades. Alors, un petit regard, ce qu'ils vont faire les croisades avec, bien sûr, Godefroy de Bouillon. Vous voyez comme il est beau, avec la croix de Jérusalem. Mais regardez ce qu'ils vont faire, tellement eux aussi, ils vont vénérer le dôme du rocher. D'abord, les seigneurs et les chevaliers, à l'époque croisée, vont tourner autour du mont Moria, donc du mausolée, et ils vont faire pour certains d'entre eux, ils vont faire des circoncisions et du rachat du premier-né. Mais regardez ce qu'ils vont faire qui est très intéressant pour vous montrer la sainteté du mont Moria. Les croisés, alors donc là, vous avez encore de la chance de voir un regard sous le mont Moria, c'est-à-dire c'est le mont Moria, c'est-à-dire au-dessus, là, au-dessus de cette grotte, c'est ça. J'espère que je suis assez clair, n'est-ce pas, Avi ? Je suis clair dans mes explications ? Parce que je mélange l'hébreu. Alors voilà, ça c'est le mont Moria, et les croisés, ils vont venir en 1099, en juillet 1099, et ils vont faire un trou sous cet rocher, et ils vont faire une église, et vous pour montrer l'importance. Ok, alors on avance. Ensuite, les croisés resteront 100 ans à Jérusalem. Donc, très important pour les croisés. Voilà, regardez l'importance que le christianisme va donner à l'esplanade du temple, puisque Jésus, bien sûr, je vous le rappelle, a fait sa circoncision à l'esplanade du temple. Et bien sûr, il a fait sa bar mitzvah. Le croisés... jeune guide au milieu, c'est toi, donc. Comment ? Le jeune guide au milieu, c'est bien toi. Je n'ai pas compris. Le jeune guide au milieu, c'est bien toi. Oui, alors moi, j'adore me balader avec les paroisses ou les comment on dit, catéchumènes, comment on dit, les catéchismes, les cours, les élèves. Parce que, en fait, malheureusement, comme beaucoup, à part nous, les Juifs, les gens ne lisent pas. Nous, on le lit parce que tous les Shabbats, on le lit. Donc, on ne l'oubliera jamais. Mais les non-Juifs ne lisent pas, ni le Coran. Et Nouveau Testament, alors il faut l'expliquer. Bien sûr, le Christ, oui, c'est moi ici quand j'étais beau et jeune. Aujourd'hui, je ne suis que beau. Alors, écoutez-moi bien, le christianisme va rester 100 ans à Jérusalem et les deux mosquées seront transformées en deux églises. Alors, on revient vite et c'est qui va expulser les croisades en 1190? Bien sûr, Saladin. Vous voyez, c'est une erreur de dessin puisque Saladin, ici, est représenté en train de conquérir Jérusalem. Mais la mosquée, à l'époque de Saladin, était grise, pas en or.
Ensuite, Saladin restera là. Après Saladin, il y aura les Mamelouks. Après les Mamelouks, il y aura les Turcs. Et maintenant, on commence à s'approcher des choses sérieuses. Les Turcs vont conquérir Jérusalem, mais les Turcs n'en ont leur patlème, comment on dit ? Ils ne s'intéressent pas à Jérusalem. Comme tout le monde arabe. Et je vais vous dire pourquoi le monde arabe ne s'intéresse pas à Jérusalem. Parce que tout simplement, moi, je préfère rester ou en Irak, ou en Syrie, ou au Liban, ou en Jordanie qui n'existait pas encore, ou en Égypte, parce que les Arabes sont principalement des falahim. Avez-vous ? Des agriculteurs. Et donc, il leur faut de l'eau. Et il n'y a pas d'eau en Israël, donc ils sont où ? À la Mésopotamie, entre l'Euphrate et le Tigre, ou en Égypte, d'accord ? Et puis, s'ils veulent aller dans un endroit saint une fois dans leur vie, ils n'iront pas à Jérusalem, ils en ont Erpatlem, comme on dit ? Avis ? Erpatlem. Non, mais en français. Ils n'ont voilà. Rien mais à foutre, comme on dit. Regardez, Yasmine et moi, on a travaillé une semaine entière pour vous trouver cette photo que je cherche depuis longtemps. Donc, Saladin est là, qui est musulman, les Mamelouks qui sont là aussi, les Turcs qui arrivent, et puis là, on arrive dans les temps modernes, et c'est super, il me reste un quart d'heure, n'est-ce pas ? Ah ouais, mais on voulait des questions. Alors, je vais aller vite. Regardez bien une photo qui était prise en 1910. Qu'est-ce qui attire votre regard sur cette photo, messieurs, dames ? Ah oui, personne ne peut me parler. Bon, ben, je vais vous le dire. Avi, toi qui es intelligent, les autres n'ont pas de micro. Qu'est-ce qui te... L'état de délabrement de l'endroit. Très bien, mais quoi d'autre particulièrement ? Je ne vois pas. Alors, si tu l'as dit dans ta réponse, et bravo encore, et les autres, je suis désolé de ne pas vous écouter parce que je ne peux pas vous écouter. Eh bien, regardez bien, jusqu'à 1910, 1920, 1930, cette mosquée n'intéresse personne. Et on a des dizaines de photos prises en 10, 20 ou 30 où regardez bien. Il y a de la pelouse. Et dans l'islam, on ne peut pas se coucher sur de la pelouse. Il faut être directement sur la terre. Ça veut dire que les gens ne foulaient pas leurs pieds sur cet endroit. Parce que moi, si je suis musulman et que j'habite en Égypte ou en Syrie ou au Liban ou en Jordanie ou en Israël ou en Palestine ou en Irak, je ne vais pas à cet endroit. Il ne m'intéresse pas. Je dois aller à Mecca une fois dans ma vie, et c'est une ville, il n'y a pas d'eau, messieurs, dames, et toutes ces photos. Mais là, il va se passer une autre chose, c'est un homme qui s'appelle, cet homme qui va faire toute la révolution, un homme qui s'appelle Haj Amin El Hussein. Il sera nommé par les Anglais en 1920, par le général Allenby, ou par qui va conquérir Jérusalem, mais lui, il va nommer un pécha, comment on dit, un procurateur, un gouverneur qui s'appelle Storr. Un pacha lui, en français. Ouais, un pacha. Il va nommer cet homme-là qui s'appelle Haj Amin El Hussein. Et lui, en coopération avec Hassan El Banna, en 1930, ils vont coopérer d'une façon efficace et ils vont arriver à une conclusion qu'ils voient trop de juifs débarquer dans la région et qu'il leur faut à tout prix une alternative pour revendiquer que les Juifs n'ont rien à faire à Jérusalem. Alors, il y a une coopération entre lui et Hassan El Banna. El Banna, il va être le créateur des frères musulmans, où il va annoncer qu'il faut combattre l'Occident, qui sont tous des koufas, et qu'il faut les conquérir, et qu'il ne faut pas avoir honte de l'islam, il faut faire sortir de l'islam. Et donc, lui, en coopération avec Haj Amin El Hussein, ils vont dire et faire pression et des révoltes contre les Anglais en disant « on ne veut pas que les Juifs arrivent ici ». Parce qu'ils sont en complète panique de voir que les Juifs arrivent de plus en plus et qu'il leur faut une alternative. Et cette alternative, c'est une revalorisation de le dôme du rocher. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui est complètement musulman et il y a un corps cancéreux, étranger, aux yeux des musulmans qui est Israël. Et pourquoi ? Ce n'est pas forcément une haine. Et je voudrais vous rappeler à vous, chers auditeurs, que les Arabes n'ont pas massacré les Juifs comme l'ont fait les Occidentaux. Parce que dans le monde arabe, on a un statut, nous les Juifs et nous les chrétiens. Et ce statut, ça s'appelle Ahil Dhimma. C'est-à-dire qu'on peut vivre sous une occupation
musulmane, il suffit de payer la taxe. Alors qu'en Occident, il n'y avait pas d'option comme ça, puisqu'on était le peuple déicide, donc on va être massacré. Chose qui n'arrive pas dans l'islam. Mais le problème, comme les musulmans, depuis tout le temps, ils sont persuadés qu'on est le peuple de la dîme, là, ils sont complètement déstabilisés parce qu'on va créer un pays. Et non seulement on va gagner une guerre, mais 2 guerres, 10 guerres, 15 guerres. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Parce que dans l'islam, la religion juive et chrétienne n'existe plus, elle a été effacée depuis la venue du prophète. Et quand un gosse de 6 ans, en Irak, en Saoudie, en Jordanie, au Liban, on lui dit que les religions des Masahim, des juifs et des chrétiens, elle est effacée depuis la venue du prophète, ils n'arrivent pas à concevoir qu'on soit là, qu'on crée un pays, qu'on gagne des guerres, qu'on revient sur l'esplanade des mosquées, on veut créer éventuellement le temple, que nos soldats arrivent et font la protection des touristes avec des pantalons moulants et des mitraillettes. C'est inacceptable, messieurs, dames. Il me faut vite une raison de pouvoir renvoyer ces Occidentaux. Et ce n'est pas nous en tant que Juifs, c'est nous en tant qu'Occidentaux. Ils ne veulent pas parce que dans l'islam, le judaïsme et le christianisme, c'est Din el-Batil. Et l'islam, c'est Din el-Haq. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ce sont la religion effacée et l'islam, c'est la religion de la vérité. Et quand on grandit avec ça depuis qu'on est né, on ne pourra jamais accepter la présence d'occidentaux avec des gens qui mettent des pantalons, des femmes qui ont des décolletés. C'est inacceptable. Et pire encore, c'est eux qui gagnent les guerres. C'est eux qui sont patrons à l'esplanade des mosquées. Allez, j'avance vite, messieurs, dames. Donc, cet homme-là, Haj Amin al-Hussein, d'ailleurs, qui va prendre beaucoup de café avec Hitler dans les années 40 ou 30, 32, 33. On arrive maintenant dans les temps modernes. L'État d'Israël va être créé en 48. On n'a pas accès parce qu'on ne veut pas, on respecte le partage qui a été établi par l'ONU. On n'a pas Jérusalem en 48, mais on va la prendre en 67. En 67, on va bien sûr prendre Jérusalem. Entre-temps, les Jordaniens, eux, en 62, ils vont mettre le dôme en or. Donc, il sera en or qu'en 62. On va prendre, avec la guerre des six jours, on va prendre Jérusalem. Et on ne voulait pas prendre Jérusalem au début. Quand tu dis Jérusalem, c'est la vieille ville de Jérusalem, c'est bien ça. Bien sûr, excusez-moi, oui, bien sûr. Les Jérusalem, ce que vous, vous appelez Jérusalem Est, oui, bien sûr. Ben, il faut vous rappeler que Jérusalem, à la base, c'est le Mont Moria. Hein. Pour moi, c'est évident. Pour moi, ce n'est pas le grand Jérusalem qu'on a aujourd'hui, c'est Jérusalem. Quoi. Donc, on va prendre en 67. Moshe Dayan ne voudra pas prendre Jérusalem en 67. Pendant presque un an, ils seront entre les mains du rabbinat. Et puis, Moshe Dayan va, en 68, le donner au Wakf jordanien. Et demi, c'est entre les mains du Wakf jordanien. Alors, deux mots, c'est ce qui crée toutes les tensions aujourd'hui, parce que dès qu'il y a une rumeur, un bruit, un potin, mais des trucs complètement hallucinants, hein, mais des trucs complètement hallucinants, du style les sionistes creusent sur la mosquée pour la faire détruire, du style on fait rentrer du TNT pour la faire exploser, ça déclenche des émeutes dans tout Israël et bien sûr dans tout le monde arabe, parce que le monde arabe n'arrive pas à concevoir qu'il y ait un corps occidental qui soit sur l'Andin, leur endroit qui est le plus saint. Alors, on va arriver en 67, en 68, et puis il y a eu un status quo qui a été fait entre les Jordaniens et les Israéliens pour les visites. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours des visites un peu parsemées, comme ça, on n'a pas tout le temps des visites. On va arriver à l'ouverture des tunnels, par exemple, en 96 avec Netanyahou qui va ouvrir le tunnel qui n'a aucun rapport avec la mosquée. Les bruits vont courir comme quoi on veut détruire la mosquée, ça fait des émeutes un peu partout dans le monde et dans le monde ici. On a eu beaucoup de morts, malheureusement, on a eu une vingtaine de soldats morts et 200 arabes palestiniens morts. Ensuite, Sharon va monter, ça va créer les émeutes de la deuxième intifada. Barak va faire une grande erreur parce que, en fait, les leaders israéliens, ils ont toujours peur d'un tout petit bruit, d'une petite étincelle, et là, on a toute une émeute.
Barak va leur donner la possibilité de creuser sous l'esplanade des mosquées et ils vont trouver beaucoup d'archéologie qui vont jeter à la poubelle. Oui, messieurs, dames. Et puis, je voudrais vous rappeler, vous tous, que les services secrets israéliens ont un département qui est spécialisé pour le monde du temple parce que chaque leader israélien a peur qu'il se passe quelque chose parce que ça va enflammer tout le Moyen-Orient. Et voilà, alors moi, je visite tous les jours aux heures des mécréants parce que nous sommes des mécréants aux yeux de l'islam. Ce n'est pas une invention, c'est très clair, on est des mécréants, donc on peut visiter l'esplanade des motets de 8h à 11h le matin et de midi et demi à 14h. C'est des visites qui sont très strictes avec des surveillances, on n'a pas le droit de s'embrasser. Et puis, une dernière chose avant vos questions, c'est qu'ils sont très intelligents, les Arabes. Et puis, bravo, parce qu'ils ont tout compris que pour expulser les Juifs, il faut juste effacer leur histoire. Et ils ne revendiquent pas ni Tel Aviv ni Haïfa. Ils revendiquent les endroits saints, c'est-à-dire Hebron, Kever Yosef, le tombe de Rachel, et bien sûr le dôme du rocher. Ils veulent changer même le dôme du rocher. Ils veulent l'appeler El-Aqsa El-Mubarak. Et ils veulent tout effacer parce que si moi je reviens dans 50 ans avec mes petits-enfants, Bezrat Hashem, mon petit-fils qui n'a pas le droit de rentrer là-bas ou qui ne rentre pas beaucoup là-bas, il dira mais papy, mais ça c'est un endroit musulman. Et c'est comme ça qu'on efface l'histoire. Très intelligent de leur part, tu ne t'approches pas de la mosquée, tu ne viens pas visiter la mosquée. Et puis dans 50 ans, ça sera peut-être un endroit qui sera complètement musulman. Et ça expliquera pourquoi nous les Juifs, on n'a rien à faire là-bas. Sur Texplanade, et donc tout dépend du chef du premier ministre qu'on a en Israël, est-ce qu'il est prêt à rentrer en conflit avec le monde arabe, avec les Arabes ici, de dire stop, ou alors de faire des vitourim, comme on dit vitourim, des renonciations. Voilà, et là ils ont gagné, les musulmans, avec l'Europe, puisque l'Europe a décidé que cet endroit, ce n'était pas le temple, je crois, et qu'ils avaient décidé que c'était El-Aqsa. D'ailleurs, c'est Arafat qui va nommer El-Aqsa aux deux endroits, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne s'appelle plus en arabe, parce qu'en arabe, il a un nom aussi. En arabe, cet endroit s'appelle, écoutez-moi bien, hein, et Avim va me traduire, il a deux noms en arabe, et moi, souvent, quand je fais des prières le vendredi, là-bas, avec mon tapis sur mon épaule gauche, je demande à quelle heure la prière ? Au Bayt al-Maqdis. Avim, Bayt al-Maqdis en arabe ? Bayt al-Mikdash. Très bien, ou alors, on va prendre un café à l'entrée du Haïkal Suleiman, qui est le temple de Salomon. Bravo, Echal Shlomo, en arabe. Quand je vendredi, de temps en temps, je vais faire une prière, enfin, je vais faire une prière parce que ça me permet de comprendre l'ambiance, ça me permet de comprendre la mentalité, qu'est-ce qui se passe, les odeurs. Et c'est très important que si tu parles à un vrai musulman, ça ne s'appelle pas El-Aqsa parce qu'il n'y a que ça qui est El-Aqsa. D'accord ? Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est la Mecque. Pourquoi les Saoudiens n'aiment pas les Palestiniens ? Parce qu'ils leur volent la prora. Ils leur volent la prora. Comment on dit la prora ? Le droit d'aînesse. Parce qu'eux, ils disent, mais qu'est-ce que tu inventes un endroit qui n'a aucun rapport avec la Mecque ? Et les Saoudiens, les théologues saoudiens le savent que ça n'a pas de signification. Et que l'endroit le plus saint, c'est bien sûr Mecca. Voilà, eh ben, écoutez, j'avais une autre dernière chose à vous dire. Dani, pendant que tu jettes un coup d'œil sur le chat, je te permets de feuilleter le chat pour voir s'il y a des questions auxquelles tu veux répondre, parce que ton exposé nous a pris quasiment presque 57 minutes, il nous reste 4-5 minutes, donc regarde. J'espère que c'était intéressant, les enfants. Attends une seconde, j'y suis pas arrivé encore. Les félicitations et le remerciement à la fin de l'intervention. Donc, je meuble en attendant pour que tu jettes un coup d'œil sur des questions. Qui ont été posées par nos auditeurs. Très ah, c'est dans le chat, là ? Voilà, tu peux regarder le chat. Pourquoi le monde juif est silencieux ? Très bien. Alors, d'accord, c'est la dernière question. Pourquoi le monde juif reste silencieux face au vote scélérat de l'ONU ? C'est pas au monde juif, madame, c'est à Israël. Bon, je pense pas que ça nous dérange. Je pense que ça vous inquiète pour rien, parce que depuis qu'on a créé l'État d'Israël, on est condamné. Vous posez moi la question, ça ne m'intéresse pas. C'est à nous d'être forts, c'est à nous de mettre une main de plus en plus sur l'esplanade du temple. Heureux d'être des vôtres. Avait dit, ce qui est important, ce n'est pas ce que disent les non-juifs, c'est ce que font les juifs. Exactement. Donc, c'est un petit peu dans l'esprit de Ben Gurion.
comment êtes-vous entré, surtout en étant israélien? Ah bah alors très bien, parce qu'à l'entrée, en fait, très bonne question, à l'entrée, il y a des filtres. Il y a des filtres. Il ne faut surtout pas qu'un mécréant comme vous, ou chrétien, ou juif, rentre à la mosquée. Hein. Ça serait une crise, une guerre mondiale, hein, si vous osez rentrer dans les heures de visite. Parce que d'abord, je connais les gens du WAPF, c'est l'autorité musulmane, je connais les policiers israéliennes, et quand il y a des gens du WAPF qui ne sont, qui me connaissent pas, eh ben, je laisse pousser ma barbe avec ma tenue, et puis même s'ils doutent, ils demandent de réciter la Sourate al-Fatha. Sourate al-Fatha. Mais attention, on peut visiter. On peut visiter toute la semaine, sauf le vendredi et le samedi. D'accord ? Alors, une autre question. En plus, je m'appelle Cohen, elle a bien raison. Ben justement, c'est parce que je m'appelle Cohen que j'ai le droit de monter au temple. Ou alors, une question simple. Viens de voter une mention intégrée en appelant le monde du temple de son musulman. Comment peut-on payer le silence du monde juif non religieux pour voter d'ailleurs dans les anti... Ah, c'est la range la relie. Nous y sommes entrés en 82. Ok, très bien. Alors là, on me dit avec des chrétiens. Bien sûr, mais Arafat, très bien. Jusqu'à la venue d'Arafat, Arafat, il va musulmaniner encore plus. Arafat, il va extrémiser encore plus. Parce que c'est le seul point qu'ils ont une attache ici, qui est une attache qui est archéologique, non pas théologique. Très bonne réflexion. Moi aussi, j'y étais en 87-88. Mais depuis que Arafat, il a durci, il a dit non, vous ne rentrez pas, vous ne rentrez pas. Moi, on dit ça, très bien, mais évidemment, cette interdiction aux mécréants de monter à l'espace des temples, des mosquées, elle est nouvelle, elle date de 93 après les accords de Oslo, parce que comment il s'appelle, Yitzhak Rabin, ils ont toujours voulu être sympas avec les musulmans, parce qu'on sait que. Je vais vous raconter une petite histoire et Yasmine, tu es obligé de me laisser encore un quart d'heure. Un quart d'heure, non, mais 5 minutes, oui. Ok. Je guide pratiquement tous les jours là-bas et je donne des instructions très claires. Des instructions qui ne sont pas de s'embrasser, pas de se prendre la main, pas de se toucher entre un homme et une femme. Pas de prier surtout. Et j'avais pris un couple de Suédois, deux jeunes, ils venaient de se marier, très beaux les deux. Et je me suis un peu éloigné d'eux pour parler au téléphone. Et ils ont complètement oublié mes instructions. Et ils se sont fait, devant l'esplanade où il y avait plein de gens du WAPF, un échika tsarfatit, comment on dit en français? Une bise, une vraie bise. Non, 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 mais bouche sur la bouche, tu savais, avec... Oui, oui, d'accord, c'est compris. Ah, excusez-moi. Ils se sont fait jeter illico presco avec violence. Illico presco. Ok, je continue. On ne parle plus de mosquée d'Omar. Madame, il n'y a pas de mosquée d'Omar à l'esplanade des mosquées. Il y a une petite mosquée qui a été faite de 638 à 690. C'est Omar ibn Khattab, le calife, mais il n'y en a qu'une seule mosquée d'Omar et elle se trouve collée à l'église du Saint-Sépulcre. Aucune de ces deux mosquées ne s'appelle Omar. En or, elle s'appelle Dôme du Roucher, Koubat al-Saha et celle-ci est l'Aqsa. Pas de mosquée d'Omar sur l'esplanade. Hitler n'avait rien contre les juifs, il aurait dû détester un si vous résumez ça. Mais bien sûr, mais les juifs, ils ont transporté. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, vous avez des très bonnes questions ce soir. Hitler n'avait rien contre les juifs, il aurait dû détester les chrétiens si vous résumez ça aux dix commandements. Mais oui, mais sauf que nous, les juifs, on relie les 10 commandements tous les Shabbats. On les relie toutes les fêtes, les dates. C'est pour ça qu'ils nous haïssaient. Parce qu'on était toujours là à lui montrer du doigt à l'humanité. Hey, il y a des lois divines. Très bien, quelqu'un qui s'appelle Evelyne qui m'a répondu Christos. Eh bien, vous êtes des bons. Les Turcs ne sont pas arabes. Bien entendu, ils ne sont pas arabes, ils sont musulmans. Excusez-moi, peut-être que j'ai fait cette erreur. Idem pour le catholicisme. Bien sûr. Mon juif, merde, c'est quoi? Comment on descend ce truc-là? Pourquoi la mosquée n'a pas été détruite? Très bonne question. Parce qu'en fait, Moshe Dayan ne voulait pas prendre Jérusalem. Il a pris Jérusalem de force avec deux plougottes de parachutistes. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire de ce Vatican? Moshe Dayan, c'est un socialiste, c'est un fan d'archéologie. Ce qui l'intéressait, c'était surtout la beauté de la mosquée et non pas l'erreur qu'il va faire en la laissant. Parce que s'il l'avait détruite, le monde arabe n'aurait plus de revendications sur Jérusalem aujourd'hui. Dani, je savais qu'il y aurait beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir répondre à tout. Écoutez, je suis désolé. Alors, attends, un peu d'avis, s'il te plaît. Messieurs, dames, vous pouvez me contacter. Je prendrai tout mon temps. En ce moment, je ne bosse pas beaucoup.
parce qu'on nous a enlevé les avions. Combien de temps il me reste à vie? Il te reste le temps de dire au revoir, de alors de voilà. Alors, à vous tous, je sais que moi, je suis spécialiste de Jérusalem. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Daniel Cohen Tour Guide, ou Instagram, Daniel Cohen Guide Israël, et je répondrai à toutes vos questions. Ah oui, une dernière chose, et là, je suis obligé. Et moi, ça, c'est libre. Plus j'avance dans mes enquêtes, et... Avec les coordonnées. Voilà. Avec le bois. Avec tes coordonnées. Ah, avec le bois, déjà, oui, c'est intéressant. Ah non, on n'aura pas. Ça, je le raconterai quand ils viendront en Israël. Voilà. Ouais. Alors, regardez, voici ma... Voilà tous mes détails. Une petite anecdote, peut-être, à vie, avant de vous quitter. Vas-y. Ah, allez, je vous adore. La dernière de la saison. Et d'abord, l'OMS, bravo, ouais, parce que moi, jamais je fais des conférences, parce que ça prend beaucoup de temps. Et j'ai passé des soirées entières avec Yasmine. Et bravo encore à toute cette organisation. Alors, vous voyez tous ces bois là. Vous savez quoi? Je ne vous dirai pas ce que c'est. Je vous laisserai avec le goût à la bouche. Regardez bien ces images. Hein, contactez-moi. Je ne crois pas que c'est les poutres de Notre-Dame de Paris, Daniel. Exactement. On n'est pas loin, sauf qu'elles ont 3000 ans. C'est une histoire magnifique que j'ai découvert moi. Je vous répondrai par Daniel Cohen, Tour Guide Israël sur Facebook, ou Daniel Cohen Guide Israël sur Instagram. Et regardez, vous avez tous mes détails là. Je vous aime à tous, parce que notre rôle sur Terre, comme Dieu disait, on doit être représentant de Dieu, et je suis content d'être à côté de sa maison. Merci encore à toute cette équipe formidable qui sont de vrais professionnels. Ou Allah ma'akoum, velei traot le koulam. Il a dit que Dieu soit avec nous et que Dieu soit avec vous. Je crois qu'on ne pouvait pas terminer la saison de l'année 2021 d'une façon aussi riche, sympathique, animée. J'avais promis que le chat serait actif, il n'a jamais été autant. Que le conférencier serait hyper actif, il n'a jamais été autant. Et je suis sûr que nous avons passé une très bonne soirée et qu'on s'est un petit peu renforcé. Ah oui, Avi, Vegan, t'as dit dans nos connaissances. Je serais très heureux d'avoir. Historique. Et je remercie Yasmine, Naftali et tout notre cher public. On se retrouve en début 2022. Moi, je vous dis d'abord Shabbat Shalom avant. Shabbat Shalom, merci à tous. Et si vous avez des réactions pour me dire si c'était bien ou pas, ça me fait beaucoup du plaisir. Je vous aime. Bye, Shabbat Shalom. Toda, Dan. Shabbat Shalom, la colle. Bye.